Alors, c'est intéressant, je trouve, de poser la question dans ce sens-là, c'est-à-dire en quoi est-ce que les jeunes qui pratiquent nous apprennent des choses plutôt que d'essayer de voir en quoi on peut faire participer les jeunes, c'est-à-dire d'une manière assez classique, à travers le numérique. Je pense que ça, c'est poser la question un peu à l'envers. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de travaux sur lesquels moi je me suis appuyé pour qu'on se rende compte que les jeunes ont des pratiques assez particulières en ligne. Et c'est assez génial d'ailleurs parce que c'est. L'idée, c'est de voir comment les jeunes s'expriment, sur quoi ils souhaitent s'engager, sur quelle thématique, sur quel sujet, sur quel domaine, en dehors du contrôle parental, en dehors du suivi professionnel. C'est pas un contrôle parental, ça peut être bienveillant, hein, mais là, ils sont vraiment libres de faire ça. Alors, ça pose d'autres problèmes. Hein. Est-ce que l'espace est sécurisé, il n'est pas sécurisé? Ce n'est pas du tout les débats que je souhaite aborder là, c'est tout à fait légitime, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que les jeunes y font. Alors, pour le coup, c'est pas révolutionnaire. Hein. C'est-à-dire que ce qu'ils y font, c'est un peu ce qu'ils font ailleurs aussi. Donc, on est aussi beaucoup sur des logiques d'affirmation de soi, on est beaucoup sur des logiques de présentation de soi, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, bon, en tout cas pour nous chercheurs, ce qui est intéressant, c'est de ne pas dire ah ben, les jeunes sont égoïstes, ils se présentent eux-mêmes, c'est une espèce de narcissisme sans fin, qui se regarde lui-même, etc., etc. C'est de voir que, et notamment quand on s'intéresse aux trajectoires des jeunes dans les pratiques en ligne, c'est-à-dire qu'on les suit un peu pendant un certain temps, ce qu'ont fait certains chercheurs, surtout les chercheurs québécois, on se rend compte qu'en fait, c'est jamais qu'un levier, un premier levier d'affirmation de soi, de mise en scène de soi, pour peut-être après accéder à une certaine forme de reconnaissance sociale. Alors la reconnaissance sociale en ligne, tout le monde va comprendre très très vite, hein, c'est à la fois je suis reconnu parce qu'il y a des gens qui y voient, hein, j'ai le nombre de vues, voilà, et à la fois dans les commentaires, il y a des gens, on a tous vécu ça, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, etc. Donc c'est l'espèce de double phénomène de reconnaissance sociale, et là il semble se passer un truc assez intéressant, je trouve, dans cette double reconnaissance, c'est que on va arriver vers les prémices. Donc on est sur beaucoup de choses assez, comment dire, identitaires, mais on est sur quelque chose d'une appartenance identitaire commune. Et c'est le début d'un commun qui commence à se mettre en place, et notamment le début d'un commun qui peut être aux prémices de mobilisation plus collective. Voilà, alors donc on a beaucoup observé cette question de la reconnaissance sociale, de la volonté de reconnaissance à travers l'expression des jeunes en ligne, etc. Et la question qui vient assez vite, notamment quand on s'intéresse à la pratique professionnelle, c'est de se dire comment est-ce qu'il est possible de reconnaître ces pratiques de mobilisation en ligne? D'ailleurs, déjà, est-ce qu'on le sait en tant que professionnel? C'est bien gentil de vouloir reconnaître, mais faudrait-il déjà être au courant? Et ensuite, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on valorise des jeunes pour ce qu'ils font en dehors du cadre professionnel que nous, on leur ouvre, qui lui, n'est pas numérique? Donc, ça pose une question qui est intéressante parce que si on fait la politique de la chaise vide et qu'on ne reconnaît pas ces pratiques en ligne, les jeunes, c'est toujours pareil. Ils sont dans cet âge de la vie aux prises avec la question de cette reconnaissance. Donc, ils la chercheront. Donc, ce sera le nombre de clics. Ce sera le fait de pouvoir devenir influenceur ou je ne sais pas quoi. Donc, ce sera la marque machin truc ou la multinationale capitaliste qui le reconnaîtra pour les raisons qui sont les siennes. Et comment est-ce que professionnellement on fait pour reconnaître ces pratiques en ligne? Je ne sais pas si on est véritablement dans l'accompagnement, ça c'est plutôt l'approche promeneur du net, que moi je défends absolument, hein, qui est la présence éducative en ligne, c'est-à-dire ne pas déserter ces espaces-là, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ces pratiques spontanées et autonomes des jeunes d'engagement en ligne? Alors, qui sont ces jeunes qui utilisent le numérique? Ça, c'est. On a un certain nombre de chiffres, etc. Et on va retrouver assez classiquement dans la question du numérique la question de la participation qu'on peut trouver dans le reste de la société. Donc, rien de nouveau, si ce n'est qu'on a tendance à augmenter la fracture. C'est pour ça qu'on est un certain nombre à traiter de la question de la volonté de faire pratiquer les jeunes à travers, enfin, faire participer les jeunes à travers des pratiques numériques comme une espèce de discrimination 2.0, quoi. C'est la deuxième version de la discrimination, parce que les discriminations qu'on connaît, sociales, hein, on sait qu'on va avoir des usages du numérique, mais si en plus on privilégie le mode numérique, alors on en condamne certains à ne pas pouvoir participer. Ça, c'est vraiment la première chose, et ça a ouvert tout un champ de réflexion sur la question aujourd'hui, dont cette question de la participation à travers le numérique, est-ce que ça ne peut pas être aussi
de la part des professionnels un engagement contre la lutte contre le non-recours au droit numérique. On tombe dans une autre logique qui est celle de se dire, et qui a été assez bien présentée par l'ADR au début des rencontres, là, c'était de dire on a quand même des gens qui sont extrêmement éloignés de ça, on dématérialise beaucoup de l'accès aux services publics, etc. Si on fait la même chose avec la participation des jeunes, on va se retrouver devant les mêmes écueils. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler aujourd'hui sur... C'est ça, la lutte contre le non-recours au droit de participer à travers le numérique. Alors, ce qui est assez dingue aussi avec le numérique, c'est qu'on a vu des espaces s'ouvrir qu'on n'avait absolument pas imaginés jusqu'à maintenant. C'est la question du temps. Philippe Morin est beaucoup revenu sur les questions de la temporalité, de la manière dont on gère le temps, etc. Ce qui est assez dingue en ligne, c'est qu'on s'est rendu compte que... Quand on demandait aux jeunes de participer, ou qu'on leur demandait leur opinion, ou qu'on leur demandait, voilà, peu importe ce qu'on leur demandait, on leur demandait de nous répondre maintenant. Je suis en face de toi, je te pose une question, réponds-moi. Quand on le fait à travers les pratiques numériques, on arrive à cette possibilité de la désynchronisation. Ce qui fait qu'on pose la question, moi j'ai des jeunes qui me disent, je fais des entretiens avec les jeunes, voilà, tout le temps, et là ils me disaient, attends, si tu me poses la question là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Laisse-moi une petite heure, je vais aller chercher à droite à gauche, je vais prendre le temps de réfléchir et je te répondrai. Ça, c'est confirmé par des travaux québécois où ils ont essayé d'utiliser, donc c'était un petit peu le mode d'un point d'accueil et écoute jeune, hein, mais la version québécoise du truc, et ils se sont dit, et tiens, et si on donnait la possibilité de participer par texto? Et ils se sont rendus compte que les jeunes appréciaient vachement ça parce qu'ils avaient le temps de formuler leurs réponses, voire même de formuler leurs questions. On n'était pas dans un « Ah, mais est-ce que tu n'aurais pas un autre problème ?» Enfin, voilà, on n'était pas dans une relation de tac au tac comme ça. Et donc, cette espèce de désynchronisation possible, elle est hyper intéressante à prendre en compte parce que ça, c'est un truc qui est permis par le numérique, qui n'était pas forcément pris en compte. Voilà, on a essayé de travailler ça comme une espèce de quête de l'appropriation du temps. Des jeunes qui, tout d'un coup, ne sont plus pressés de répondre ou de participer, etc. Les expériences de plus gros foirage de volonté de participation politique en ligne, c'est quand les élus ont fait des Skype et qui disaient, voilà. Et ça a été hyper mal pris par les internautes et ils ont dit, mais plus jamais ça. Il y a des études absolument folles là-dessus en disant, mais qu'est-ce que c'est cette espèce de parodie de démocratie, c'est complètement nul, etc. Parce que c'était en live, hein, c'était réponse du tac au tac et à chaud. Et en fait, on se rend compte que les jeunes, quand on étudie leur discours, ils ne sont pas du tout contre s'exprimer, mais ils veulent travailler les choses. Parce que ce qu'ils remettent en cause, c'est les élus, on leur pose une question, ils vont avoir une réponse toute faite. Ça va sortir tout seul. Et c'est un coup, je te dis rien, je te dis tout, etc. Et ça, c'est vraiment vu comme quelque chose. Pas authentique, ouais, mais c'est même pas ça tellement le problème, c'est que on sent qu'ils n'ont pas travaillé leur truc. Et les jeunes, quand ils souhaitent participer, c'est loin d'être tous les jeunes, mais ils ont un certain niveau d'exigence. Et alors, la première personne à qui vers qui ils dirigent cette exigence, c'est eux-mêmes. Et donc, la nécessité de leur laisser le temps de travailler leur discours, de travailler leurs réflexions, de travailler même leurs opinions, qui ne leur viennent pas spontanément ou qui ne suivent pas une ligne établie ailleurs et par d'autres, l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce que ça leur crée un peu ce temps-là. Voilà, ça leur, ils se réapproprient ce temps-là. Et paradoxalement, une fois qu'ils ont répondu, alors là, il faut que le retour soit immédiat. Hein. On est toujours un peu dans ce paradoxe, entre guillemets, entre le tout de suite et le à la fois, il faut me laisser le temps de... C'est pour ça qu'on a vraiment parlé d'une espèce de quête d'appropriation du temps, parce qu'on est entre le tout de suite, parce que cet outil le permet, on voit bien que c'est ça l'intérêt, c'est l'immédiateté. Et à la fois, ça nous permet quand même de dire, attends, je souffle 2 minutes, je ne suis pas sous le regard, ou je suis pas en train d'être... Voilà, et ça va me permettre d'élaborer, ça va me permettre de construire, et même parfois d'échanger avec d'autres en disant, mais parce que toi, t'en penses quoi? Etc. Donc c'est quelque chose aussi qui permet une bulle temporelle qui n'est pas très claire, parce qu'entre synchronisation et désynchronisation, les choses ne sont pas évidentes, mais il y a un truc à jouer de ce côté-là.